lands of Newsley, Newton. On a worldly war, only to the rank of the Et bonsoir, gens, c'est Wibouli, on se trouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur Shadow of the Colossus. 10ème épisode, et qui 10ème épisode dit 10ème colosse. Du coup, on se prépare à y aller. Ablo est là, il est prêt, il est chaud. Ablo. Hop, on se met sur la plaine. On ne commence sans plus tarder. Et il est. Par là-bas. Ok. Hop. Allez, on est parti. Donc, oui, 10ème colosse. Le dernier qu'on avait fait, c'était une tortue qui s'appelait Bassaran ou Basseran, je ne sais plus. Qu'on a battu dans une zone un peu volcanique avec des geysers et tout. Il fallait la pousser sous des geysers pour qu'elle se fasse propulser un peu bizarrement et qu'on puisse toujours dans ses pieds pour la grimper sur elle. Ça allait, on s'en est plutôt bien sorti, fallait juste trouver le truc et... Ok, l'oiseau m'a fait un peu peur. Et attention, c'est bon. Toujours un peu de mal avec le virage, hein, avec le cheval, toujours. Sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous appréciez cette petite aventure... colossale. Et du coup, aujourd'hui, j'imagine qu'il faut que j'aille... Oui, par là. Ça a parlé de dunes, donc faudrait aller dans un désert, non? Je suppose. Voilà, restons sur le droit chemin. Même si je crois que je peux passer par là. Parce que ce n'est qu'une colline. Et on chauffe. Hâte de voir à quoi il ressemblera. Faut trouver un animal un peu... qui traîne dans le désert, donc ça peut être quoi, genre un scorpion, un serpent, peut-être autre chose. Allons, chauffe, hein. C'est tout droit. Ablo est au max, malheureusement je ne peux pas le booster un peu plus. J'allais par là, mais je vais devoir descendre de ce côté-là, non? Oula, qu'est-ce qui me fait, Ablo? Tu es complètement fou! Et c'est tout droit. On y approche. J'active souvent l'épée pour être sûr de pas partir en couille. Comme j'ai déjà pu le faire dans certains épisodes. Oula, qu'est-ce que tu... Mais Ablo, what? Qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai demandé d'aller sur la droite, il est parti à gauche. Mais il est fou. Complètement con ce cheval. Allez, arrête tes bêtises. On approche du but. Oh, je peux mettre debout, qu'est-ce que tu fais, attends, refais-le. D'accord, je peux mettre debout, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais remets-toi debout par curiosité. J'arrive pas. Comment... Ah! Attends, Ablo! Comment j'ai fait pour me mettre debout? Oula.
Oh là là, le cheval il a du mal. Là, on y va un peu plus doucement, on traverse une caverne. Non, l'épée. On est à d'y être, hein. C'est ici, je pense. Ça a l'air bien d'être une zone de combat. La lumière est ultra claire, donc je pense que c'est ici. C'est ici. Ok, c'est donc un serpent et il est comme le même mode de fonctionnement que l'anguille, mais cette fois avec du sable. Bon, comment l'abattre ce truc? Ah, je l'entends. Oui. Ah, le mec il me recouvre sous le sable, hein, ils sont fous de moi. C'est une sorte de serpent de sable. Je l'entends venir là-bas. Oula, j'ai perdu beaucoup de vie moi. Il m'a déglingué en un coup. Ok, il arrive, il arrive, il arrive. Ah. Putain, il est flippant cet écran de game over par contre. Mais ouais, il m'a déglingué, j'ai pas compris comment... Genre je pensais l'avoir attrapé, en fait non, j'étais mort sous le sable. Bon, on la connaît, cinématique. Bon, comment le tuer cet enfoiré? Bah, mon premier raisonnement serait qu'il faudrait qu'il fonce sur de la pierre pour s'assommer un peu. Aïe! Oh! Aïe aïe aïe! Je vais rester là. Il prend pas me tuer d'ici. Vous êtes rendu compte, il a enlevé quasiment toute ma vie en un coup. Bon, moi je suis en sécurité ici. Analysons. Ablo, tu vas me servir à quelque chose, toi. Allez, lui, Ablo. Ah, je me fais poursuivre. Ok, c'est la solution, mais... Putain, il m'a déglingué avec mon cheval.
Ah! Bon, au moins j'ai capté le truc. Il est aussi croire que moi! Regardez-le ce sac, il est parti avec moi sur le rocher. Ah, Blo! Content d'avoir un maroufleur dans l'équipe. Par contre, il est parti à des années-lumière de moi là. Mais en vrai, regardez, il est intelligent, regardez! Il va sur un rocher. Il est pas con ce cheval en vrai. Bon, je me soigne et. Faut que je cours, mais je cours jusqu'à où? La logique voudrait que ce soit genre on se barre de la grotte, mais. Est-ce que c'est vraiment le bon plan? Allez, Ablo. Tu es prêt? Ok, il arrive. Je crois que je l'ai eu. Ou pas? Lui, il est parti. J'entends, il arrive encore. Non, barre-toi! Oh là 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 là! Je pense qu'il faut que je me barre de la caverne. Hein. Ah! Viser ses yeux. Mais attendez, monsieur la voix. Vous avez vu ce que vous me demandez? Ce truc est un colosse. Et je ne peux le toucher que quand je suis en train de courir à cheval. Ça va être compliqué, hein. Après, je veux bien lui crever les yeux, mais. Ça s'annonce partie compliquée. Quoi? Oh l'arnaque! Ablo, t'es où? J'ai pas vu Ablo. Où es-tu, crétin de cheval? Il monte. Allez. Fais des ronds, fais des ronds. On va attendre patiemment qu'il nous aggro. C'est le cas. Ça va être compliqué de. Je vous annonce, ça va être très compliqué de devoir manier le cheval et le. Et l'arc en même temps. Oh. C'était quoi ça qui brillait?
Ouais, mais comment je lui tire dans les yeux ce... ce con? Ok. Non, c'est pas comme ça. Comment faire? C'est bon. Allez, aggro. On y retourne. Je pense que la technique du... de longer le mur, je pense que ça marche. Voilà. Je l'ai eu. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je suis loin. Ok, j'ai le truc. Vite, 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 monte-lui dessus. Allez, cours, cours, Wander, cours. Je vais me rapprocher avec aggro, je suis trop con. What? Allez, allez, où est-ce qu'il est ton point faible, mon petit? Ok, je l'ai. Allez! C'est bon, on a le truc. Est-ce que je vais pouvoir le tuer en un coup? Non, je crois qu'il commence à s'agiter là. Vite aggro. Il va pas tarder à revenir. Je le vois revenir là. Ah, c'est compliqué, une salle. En fait, genre, je suis obligé de rester appuyé, je crois, pour que Ablo conserve sa vitesse. Mais pour tirer à l'arc, il faut que je lâche ce bouton pour mieux viser sur l'œil du colosse. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut pas que je traîne trop. Ok, il commence à revenir. Mais c'est bon, on a le truc. Je pense que là, la deuxième fois qu'on aura réussi à l'assommer, on va pouvoir le tuer. Vous voyez, c'est assez compliqué, surtout quand je veux, parce que je vois pas devant moi. Vous voyez, au bout d'un moment, il ralentit à bloquant quand je lâche le bouton triangle. C'est pour ça que c'est un peu serré le timing pour l'avoir. J'ai pas un temps infini parce qu'il faut que je vise, que je me retourne et que je lui tire dessus avant de perdre le contrôle d'Ablo pour pouvoir tourner. Par contre, là c'est moi ou j'ai pas du colosse? Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Vaut mieux que je fasse le tour ici, comme ça j'ai une plus grande marge de manœuvre. Il arrive.
je l'ai raté. Ouf. Ça se complique, hein. Ok, il revient. Ma vitesse. Allez, on va bientôt la voir. Par contre, j'en mets du temps à venir. Allez, hein, je suis pas non plus une flèche. Hein. Ok, là faut commencer à courir. Oh, je l'avais touché là. Voilà. Ok, on est juste à côté. Allez, on en finit vite avec ce serpent de malheur. Allez, 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 allez. Non, accroche-toi. Il est où son point faible? Ok, je suis pas encore près de sa tête. Je crois que je l'ai vu. Où est ton point faible? Allô? Attendez, il y a un problème, je sais pas où est-ce qu'il est son point faible. Il est près de sa tête, mais... Il est où ton point faible? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, il est là. Merde, j'ai perdu plein de temps. Allez. Vite. Encore un coup. C'est bon. Bien galère celui-là. Il a causé ma première mort. Et j'ai échappé de nombreuses autres fois à la mort.
Bon, et eh bien, on aura fini. J'en ai fini pour aujourd'hui. C'est un colosse vraiment stylé, mais très compliqué à battre. Ça se complique beaucoup là, ça commence à vraiment devenir chaud. Hâte de voir ce que nous réservent les prochains colosses. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Colossus. Et d'ici là, à la prochaine.